Brothers, sisters, it is my privilege to be with you today. Today, September 8th, 2019, when the Church celebrates the 23rd Sunday in Ordinary Time. We always have a set of scriptures that are read in at Mass. And today, the first reading is taken from the Book of Wisdom, Chapter 9. Psalm 90 is said, and then we have an excerpt of the letter of Paul to the Philippians, chapter 9, and then mostly we have the Gospel of Luke, chapter 14, verses 25 to 33. Let me offer some reflections on the basis of these texts. We are being reminded today that if we want to be Jesus' disciples, we will need to be radically detached from all our possession. He must have the first place in our lives. The disciples of Jesus needs to know from the start that he's called to a great mission. He cannot be half-hearted, a joker, or a liar. He's called to carry a cross, yet no need to be frightened. For fullness of life and joy are Jesus' promise to his followers. Nothing can be preferable to his offer. Two short stories or parables provide higher color to this teaching. A man who builds a tower should not start his work unless he possesses all the money needed to complete the job. Hence, when we receive baptism or communion, we commit ourselves to follow Jesus. We must have all the determination necessary to achieve this goal. A second parable is given. A king cannot go to war against an enemy who possesses an army twice as large as his own. From the first day, he must possess God's grace, that is the needed power to defeat his enemy. If he doesn't have God's grace, he will be defeated by the enemy. Likewise, we should not accept baptism or communion when we are not determined to give up sin in all its forms. Too many Christians are halfway Christians. Our church history is replete with martyrs who preferred to die rather than deny their faith. We are challenged to imitate them. Jesus calls us to be born again, to reject sin, even when it requires costly sacrifices. We are called to be heroes, to participate in the birth of a new mankind. That task is not easy. Our church history shines with model men and women who have consented to great sacrifices for the sake of the kingdom. Peace of mind on earth and heavenly glory are the rewards reserved for the faithful disciples. You too, I beg, strive to be, right now, a genuine, courageous, yet joyful witness of Jesus. Give him the first place in your lives. May God bless you. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes aujourd'hui au 23e dimanche du temps ordinaire, aujourd'hui le 8 septembre 2019. Les textes d'Écriture sainte que nous avons sont tirés, le premier texte du livre de la Sagesse au chapitre 9, ensuite le deuxième texte est tiré de la lettre de Paul à Philémon au chapitre 9, ensuite, nous avons la lettre, l'évangile de Saint Luc, au chapitre 14, du verset 25 à 33. Permettez-moi de partager ces réflexions, les réflexions suivantes avec vous.
Le disciple de Jésus doit le savoir dès le point de départ. Jésus doit tenir la première place dans sa vie. Jésus n'a pas besoin de farceurs, de gens sans caractère, d'étourdis. Il nous appelle à la grandeur. Vous possédez des biens. Vous devez être prêt à tout abandonner plutôt que de trahir votre vocation chrétienne. Nous appartenons à une église qui, dans l'histoire, a produit des milliers de martyrs qui ont préféré mourir plutôt que de nier le Seigneur. Jésus, dans sa parabole, nous dit « L'homme qui veut bâtir une forteresse doit savoir, avant même de commencer la construction, s'il pourra la compléter. De même, au jour de votre baptême et chaque fois que vous recevez la communion, vous devez déjà prendre la résolution de compléter la course. Le baptême n'est que le premier pas d'une longue course à parcourir. À quoi bon prendre le premier pas si l'on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout? L'on ne peut pas tromper Dieu. Ce qu'il offre aux disciples fidèles est bien supérieur aux plaisirs trompeurs, futiles et passagers que procure le péché. Pour suivre Jésus, nous devons accepter le mystère de la croix. Le monde esclave du péché déteste les enseignements de l'Évangile qui contredisent sa position. L'Église devient à ses yeux l'adversaire à détruire. Notre foi dans la grandeur du Christ et dans la vérité de son message doit être forte au point de nous remplir de toute l'énergie nécessaire pour vaincre toutes les tentations du monde. La grâce de Dieu est notre trésor. Restons donc inébranlables sur les chemins de la vertu. Jésus n'a-t-il pas dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, pas de victoire sans combat. Mais n'ayez pas peur du combat, la victoire nous est promise. Que le Seigneur vous bénisse. » Frère Axel Moyau a panou rivé le 8 septembre 2019 et je dis à ses 23e dimanche dans le temps ordinaire l'église là. Et nous connaissons chaque dimanche l'église proposer quelques morceaux la Bible. Je dis à premier morceau à sortir le livre la sagesse en chapitre 9. Le fini dans l'aide Paul t'a écrit Philémon dans chapitre verset 9 10 12 17. Ensuite, nous lis Évangile Saint-Luc, chapitre 14, sorti depuis le verset 25, privé, le verset 33. Quittez-moi offrir des réflexions après moi fin lis et me la prier sous mon sceau, la Bible ça. Qui ça, Jésus Abdine Jodia, lui dit que si nous voulons suivre lui, c'est pour nous suivre lui net aller. C'est pas pour nous faire comme si nous suivre lui. Fais deux ou trois pas, fais deux ou trois bons bagages, et puis le fini désobéit, salement d'une faire. Et c'est peut-être ça, lui raconter deux petites histoires. Première histoire, il dit, si on voulait bâtir un coquin de chaîne caille, avant d'y commencer, il faut connaître que l'on a l'argent de quoi pour compléter le travail. Eh bien, nous-mêmes, tout le monde, baptisé, c'est pour nous connaître si nous avons force, si nous avons énergie, si nous avons détermination, si nous avons résolution pour nous quimber route nous commencer à prendre. Ça n'a pas de sens si nous baptisons, nous finissons de faire ça un pipito, nous bêtiser, nous faire péché. Déjà, on doit décider, suspendre net à tout péché. Ça, c'est la première histoire lui raconter. Deuxième histoire, à peu près même bagaille, il dit aussi, un roi pral fait la guerre. Et puis il dit, ouais, que l'ennemi, bon, l'armée, deux fois plus fort, parce que l'armée parle. Là, il va prendre la guerre,
li pral mande entente avec roi ennemi. Ou même tout, c'est pour qu'on ait que l'on va suivre Jésus ou qu'on l'ennemi, c'est Satan. Et il faut qu'on gagne force, Jésus ba elle, pour qu'on mette dans Satan et pour pas faire sort pipito. Que les mounions voulaient communier, mais en même temps, ils vont marier, ils vont partenaire et ils vont déjà faire toute bagarre à partenaire là, sans ne pas marier l'Église. Alors, au pipito, partenaire là, parce que Jésus. Il y a des gens qui empilent l'argent. Ils font ça au pipito avec l'argent. Ils ne font pas faire la charité. Ils font pipito l'argent parce que la loi de Jésus, la charité. Donc, c'est pour gagner. Supposez que vous courir en course. Vous venez dans la course. Et la course très longue. Tout le monde partit ou même vous faites des pas ou arrêter. Vous n'avez pas besoin de venir dans la course. Puisque vous pas prendre résolution. Aller jusqu'en bout. L'heure où choisit Jésus, c'est pour aller jusqu'en bout. C'est pour suspendre menti, suspendre voler, suspendre raïmoun, suspendre faire grand pampan. C'est pour humble, c'est pour même accepter gros sacrifice. Histoire l'église en plein monde, il y aurait les martyrs, c'est des mondes qui étaient plutôt mourir, même si ils ont fait ou passé en pile souffrance, ils ont plutôt mourir, passer, ils ont nier, vous voyez Jésus jeté. Jésus lui a une première place dans la vie. Je vous demande, bon Dieu, bénir pour que vous-même vous preniez résolution, suivre Christ dans tout ça, le monde dans le remède prochain. C'est pour bon Dieu bénir. Thank you.
Jesus.